membre commission spéciale qui tape travail sous pièce avec document cabinet premier ministre et cabinet ministériel là capable vinn présenter et rapport yo by assemblée. Mais ça qui est certain, j'aime te signaler pour vous, c'est en ça aujourd'hui, c'est en séance côté que et parlement et bureau c'est sénateur a bien pour capable et statuer pour capable ratifier énoncé politique générale premier ministre nommé Jean-Henri Sian et là et c'est une référence j'en te dit déjà dans premier appel là tu as 18 sénateurs qui étaient présents mais au fur et à mesure nous capable constater que il y a plus que 18 qui présents et qui présents dans assemblée. Et pour l'instant, nous avons un intervalle 3 minutes de suspension de séance que le président de l'Assemblée a demandé le temps que vous reprenne avec respect qui est dans l'ordre du jour là. Nous sommes capables de dire que le bureau est lui-même lié au complet. Et il reste assistance là, quand pile l'autre monde qui est présent, nous capable de signaler présence et en pile sénateur et là qui a pris un contact, qui a pu discuter entre eux-mêmes, mais ça qui est certain, et dans pile moment critique dans séance ça et il y en a moment fort yo et il y en a moment fort c'est présentation rapport là et deuxième moment fort là c'est ça capable dire qui c'est ça et voilà pour le moment là et c'est on a un moment fort on en a parlé de moment fort là c'est arrivé cabinet ministériel là dans salle de séance Sénat de la République là côté sénateur Dieudonné lui-même il saute chercher premier ministre nommé Jean-Henri Sian avec sénateur Rika accompagné de secrétaire général et sénat nous avons parlé de docteur Ronny Gilo sénateur Rika et sénateur Dieudonné c'était deux membres dans la délégation ça qui t'a accueilli premier ministre nommé. Le temps des salutations d'usage, là, PM dans lui-même, cap salue membre bureau, et le temps que reste membre dans le cabinet ministériel là, et au même, il a fait rentrer dans la salle de séance, et voilà, et c'est ministre planification lui-même qui rentrait accompagné de reste ministre. Nous capables de signaler présence ministre et agriculture avec ressources naturelles avec développement. Nous capables de signaler présence ministre économie avec finance, ministre justice là, secrétaire d'État pour communication qui présent, ministre éducation nationale là présent tout. Et ça qui est certain, là nous avons supposé qu'il y a une présence et près de 17 ministres. Si nous voulons retirer le ministre de l'Environnement lui-même, et par rapport aux premières informations qui fait croire que l'État a un problème technique, et le fait que l'État a détecté que il y a un problème technique par rapport à la nationalité, mais je dis, et t'as supposé qu'il y a une présence de 17 ministres et puis les quatre secrétaires d'État qui étaient supposés présents. Non, c'est en ça, dans l'Assemblée, pour capable vin accompagner chef gouvernement. Nous le chef gouvernement, les mêmes capables pour capable présenter et à l'Assemblée sénatoriale, énoncer politique générale et qui ça l'envie faire pendant temps. Qui ça l'envie faire pendant temps l'a demandé pour voter pour l'IA, comment le pral faire, qui j'en l'a fait et combien de temps l'a fait, c'est en gros ça c'est capable de façon brève non énoncer politique générale ça et qui déjà en circulation et chaque sénateur qui présent dans l'assemblée a eux-mêmes il y a une synthèse de documents ça que le premier ministre là même là bien pour capable venir lire par devant l'assemblée et je ne signale là c'est le moment côté ministre a prend place au devant bureau il a prend place le temps que salutation d'usage yo même yo fini
et entre ministres, entre sympathisants, entre amis, entre familles. C'est le temps que salutation finit. Le temps que séance en reprend, le tout le monde finit prend place. Mais ça qui est certain, on a rappelé tout le monde que jeudi, c'est un jour qui est assez historique pour la série bonne raison que le premier ministre Jean-Henri Séan l'a bien pour le faire et pour le capable prononcer énoncé politique générale. On a rappelé que c'était samedi 4 août 2018 par un arrêté présidentiel que le président de la République là lui-même était nommé et notaire Jean-Henri Séan pour le capable venir prendre et destiné gouvernement et vient partager administration ensemble avec elle et là et le 7 août soit 3 jours après nomination et 3 jours après nomination le président de la République là t'après le présenter à la nation et le 10 août et premier ministre nommé à lui-même il t'après fait dépôt de tout document lié devant les deux branches du Parlement, que ce soit au Sénat de la République ou à la Chambre des députés. Et Jean Dillan a rappelé pour nous que Jean-Henri Séan, c'est un ancien candidat à la présidence, c'est un notaire qui est âgé de 61 l'année. Et Jodia lui-même l'a nommé comme premier ministre et pour remplacer et docteur Jacques Guy Lafontaine lui-même qui était présenté démission et non, tout de suite après l'événement 6-7 juillet. Ça qui est certain, et là, le temps que tout ministère même yo installé, je ne dis là, yo installé, et sous siège qui est réservé pour yo, dans salle de séance, nan, le temps tout que espace là évacué de toutes amis, sympathisants, curieux qui ont même été faufilés quand ils ont rentré dans la salle de séance là pour c'est le temps que sécurité au guet a fini faire travail pour capable reprendre avec séance de ratification et dans ces politiques générales. On a rappelé tout le monde que séance ça les mêmes les débutés les commençaient depuis vers 3h30 première action qui était posée c'est côté sous demande président et bureau Joseph Lambert est après le procédé à nomination et à appel nominal pour constater combien sénateurs qui présent et premier appel nominal là t'as pral dit qu'il y a 18 sénateurs yo même qui étaient présents dans assistance et avec chiffre 18 ça il était by bureau autorité et pour capable l'ouvrir séance là Jean la loi mandé ça et après appel nominal là après ouverture séance là c'est après lecture de plusieurs correspondances qui étaient gagnées entre l'exécutif et le législatif, particulièrement le Sénat de la République, c'est lecture correspondance ça que les deux secrétaires, premier et deuxième secrétaire bureau, t'as pas l'assemblée et ainsi que on lettre que directeur général et direction générale des impôts lui-même l'était écrit et assemblée des sénateurs par rapport à des inquiétudes, par rapport à des interrogations qui ont été gagnées. Mais ce qui est certain, je ne dis là, et ministre présent, chef gouvernement lui-même, lui présent, accompagné de tout ministre, excepté ministre environnement qui n'est pas présent dans le cabinet. Je ne connais pas pour raison et raison que évoqué. Premier ministre nommé, membre du cabinet ministériel, Sénat souhaitez-nous bienvenue ici jeudi. Jean Constitution Mandel et dans l'exercice démocratique qui est toujours fait, que ce soit dans le choix en premier ministre, dans nommer un gouvernement, dans choisir et nommer des membres du gouvernement, dans commission spéciale sénatoriale qui vient pour analyser dossier premier ministre avec tout ministre, que ce soit dans la présentation rapport, que ce soit dans l'énoncé déclaration politique générale, il y a un bagage qui est déterminant. C'est que le peuple a attend que le pays a gagné un gouvernement fonctionnel, légitime,
qui doit répondre à exigences dont en pile la déroute fait nous les 6, 7 et 9 juillet dernier. Assemblée sénateur, toujours sensible à rôle que le pour jouer prérogative de la Constitution en Bali. C'est ça que fait. Contrairement à tout ça qui t'a dit dans la radio, tout débat qui t'a fait. Sénateur, toujours confiné dans le rôle pour légiférer et rôle pour contrôler. Dans le contrôle, nous avons analysé, nous avons exigé que l'exécutif soumette à appréciation à l'Assemblée sénateur tout dossier, généralement quelconque, de Premier ministre et ministre et secrétaire d'État. Ce qui a été fait. Qui ça que la commission enjoigne pour l'interrogation? Nous ne pouvons pas le connaître tout à l'heure. Rapport commission a gagné pour lui, vient présenter ba nous là, pour faire nous connaître tout ça que vous joignez comme faille, si faille, il y en a. Un fait est certain, c'est que je dis à nous pour faire un exercice démocratique où non seulement nous pas gagné pour nous voter sous choix ministre et premier ministre parce que la constitution amendée a écarté ça. L'Assemblée des sénateurs gagné pour les prononcer lui uniquement sur la déclaration de politique générale du premier ministre. Déclaration politique générale qui très certainement si la commission a dit toutes conditions réunies pour qu'on fait énoncer déclaration politique générale là, on a une opportunité pour faire devant l'Assemblée. Si la commission a dit conditions pas réunies au regard de 1, 2, 3, 4, ça qui est consigné dans la constitution qui fait que un premier ministre ou bien un membre gouvernement éligible, le ça. N'a pas dit condition ou pas réunie. Mais dans un gouvernement, et dans tout gouvernement, sanction en pas cas général, si tu as gagné, un ministre ou bien un secrétaire d'État qui t'est cas en contravention avec la Constitution. Assemblée a, très certainement, commission a gagné pour faire recommandation. Et Assemblée a gagné pour accueillir. Voilà exercice important que nous allons faire encore une fois jeudi dans le Sénat République. Exercice si tout bagaille passe bien, va ouvrir la voie à Premier ministre pour que la subisse sanction Assemblée députée. Et le ça seulement. Gouvernement capable d'installer et l'y prend fonctionne. C'est l'occasion tout pour nous dire que le problème ça que nous vivons là, je ne veux dire où nous gagnons deux gouvernements en place, une qui n'a pas arrêté nommé et une qui a liquidé des affaires courantes. N'a profité de circonstances là pour demander membre commission qui travaille sur amendement constitution pour adresser problème ça pour poser problème ça et pour que on fois à brève échéance qui sait parce que un ministre tout comme des ministres des secrétaires d'État bref un gouvernement c'est l'expression politique de moment rien ne dit pour 2050 ou 2070. La réalité, c'est ça lié. Et n'a demandé premier secrétaire là
pour que Libanon lecture de prochains points dans l'ordre du jour là. Encore une fois, bienvenue, bon travail et bonne chance. Présentation et discussion du rapport de la commission spéciale chargée d'étudier les pièces du Premier ministre, des ministres et secrétaires d'État. N'a pas demandé séance tenante à rapporteur commission 1, sénatrice Dieudonne Luma, pour les graver tribunaux et pour les venir. D'abord le président pour première phase rapport et ensuite le rapporteur pour deuxième étape rapport là. Président, au nom de Dieu Louis, vous avez la parole. Merci honorable président de m'avoir accordé la parole pour la présentation du premier rapport. Honorable président du Sénat, membres du bureau, distingués membres de la commission, collègues de l'Assemblée, monsieur le Premier ministre nommé, mesdames, messieurs les membres du cabinet ministériel, mesdames, messieurs, nous devrions avoir un seul rapport. Étant donné que les dossiers des ministres et des secrétaires d'État ont été soumis tardivement à l'attention de la commission, et ne voulant pas perdre de temps, nous avons donc dû rédiger deux rapports. Un premier pour le Premier ministre nommé, puisque donc son dossier a été soumis à temps, et un deuxième rapport pour les ministres et les secrétaires d'État, puisque donc ces dossiers-là ont été soumis tardivement. En ma qualité de président de la commission sénatoriale spéciale devant analyser les pièces du Premier ministre nommé, il m'est cher l'honneur et le privilège de vous présenter aujourd'hui le rapport produit par la dite commission. Pour s'acquitter de sa mission, la commission sénatoriale spéciale devant analyser les pièces du Premier ministre nommé, maître Jean-Henri Seyant, dont je les signe honneur d'être le président, a procédé à la formation de deux sous-commissions. La première est composée des honorables collègues Dieudonne Luma Etienne, et Jean-Renel Senatus, chargé de vérifier l'authenticité des documents relatifs à la situation fiscale, à l'état civil et au titre de propriété du Premier ministre nommé. La seconde est composée des honorables Calmira Cantave, Wilfried Gélin et Pierre-François Sildon, chargé d'enquêter sur la nationalité du Premier ministre nommé et d'établir ou non si ce dernier aurait été comptable des deniers publics. Je m'en voudrais de ne pas remercier publiquement mes honorables collègues des deux sous-commissions qui ont conduit l'enquête et produit un travail de qualité, hautement technique, empreint de rigueur, de désintéressement et d'objectivité. Sur la nationalité du Premier ministre nommé, je souligne le fait que les deux sous-commissions aient eu à enquêter sur la nationalité du Premier ministre nommé, compte tenu de la complexité de cette question. Les recherches effectuées par l'une et l'autre en sous-commission, soit à la direction des archives nationales d'Haïti, soit à la direction de l'immigration et de l'émigration, attestent
de l'authenticité des documents y afférents soumis par l'intéressé. Il a été démontré que le premier ministre nommé est de nationalité haïtienne d'origine et n'y a jamais renoncé. Pour preuve, il est né à Gouraud, Taban, le 20 septembre 1956, des mères Selima Seyan, née elle-même haïtienne à Santo, le 4 octobre 1922, des mères haïtiennes Brune Jean et des pères haïtiens Laen Seyan, lequel est né à Gantier le 27 octobre 1901. Les documents de voyage du premier ministre nommé forment un lot de 13 passeports, dont le premier a été émis en 1978. Aucun de ces passeports ne laisse planer le moindre doute sur la nationalité haïtienne de l'intéressé. Les sous-commissaires ont souligné le fait qu'il n'était pas en mesure de reconstituer les documents de voyage du premier ministre nommé pour la période allant de 1978 à 2005 à travers les archives de la direction de l'immigration et de l'émigration. Cette zone d'ombre a été toutefois éclaircie par les autorités de l'immigration et de l'émigration qui ont fait comprendre que l'archivage numérique dont dispose la direction est constitué en 1999 et la matrice des flux de voyage en 2005. Il en résulte donc que le premier ministre nommé ne peut répondre en lui-même de la défaillance ou du déficit technologique qui a prévalu au sein de la direction de l'immigration et de l'émigration à une époque donnée. En conséquence, le premier ministre nommé, satisfait aux exigences de l'article 157.1 de la Constitution de 1987 amendé en ce qui a trait à sa nationalité haïtienne d'origine et sur le fait qu'il n'y ait jamais renoncé. Sur la qualité de propriétaire du premier ministre nommé, le premier ministre nommé a soumis 3 titres de propriété. Le premier concerne une propriété située à Corail Santo, section de l'étang du Jonc, commune de Pétionville, laquelle propriété a été achetée de la dame Caroline Faublas et acquise une superficie de 1161 mètres carrés, soit 9 centièmes de terre, enregistrée à la DGI au numéro 98-165 dans le registre G38 à se destiner. Le deuxième titre concerne une propriété située à Braneuf, deuxième section communale de Saint-Marc. Le troisième titre est une propriété Fonds et Bâtisse située à la rue Docteur Aubry, au centre-ville de Port-au-Prince. La seule authenticité du premier titre étant établie, le vœu de l'article 157.4 de la Constitution amendée est rempli à l'égard du premier ministre nommé. En conséquence, le premier ministre nommé satisfait aux exigences de l'article 157.4 de la Constitution amendée en ce qui a trait à sa qualité de propriétaire en Haïti. Sur la situation fiscale du premier ministre nommé, les recherches effectuées auprès de la Direction générale des impôts par les sous-commissaires les ont conduits à vérifier la déclaration définitive d'impôt sur le revenu de l'étude du notaire Seyan, laquelle déclaration est enregistrée à la DGI au numéro DGI-211-REV-6. Ils en sont venus également à établir l'authenticité du certificat soumis par l'intéressé, attestant du paiement d'impôt tant par lui que son cabinet d'études notariales des 5 dernières années, soit 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu. Sur l'éventuel statut de comptable en dédaigné public du premier ministre nommé, deux pistes administratives par rapport au premier ministre nommé ont retenu l'attention des sous-commissaires. Ils les ont conduits à s'enquérir de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. 1. La question des dédommagements des maisons démolies au centre-ville de Port-au-Prince.
2. La gestion des fonds des subventions allouées aux partis politiques Remain Haïti par le Trésor public. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a conclu que dans le cadre du dédommagement des propriétaires des maisons démolies au centre-ville de Port-au-Prince, M. Jean-Henri Seyant n'a eu à gérer aucun fonds de l'État qui eût pu faire de lui un comptable de deniers publics. Il y a uniquement exercé son ministère de notaire public. Les fonds de subvention alloués au parti politique Remain Haïti dans le cadre des dernières élections auraient fait de lui, certes, comptable de deniers publics s'il avait été gestionnaire des 10 fonds. Mais il a été établi par un certificat délivré par le secrétaire général du parti politique Remain Haïti, M. Eslom Raymond, en date du 3 septembre 2018, et deux procès-verbaux datés respectivement du 23 juillet 2010 et du 18 mai 2015, que le citoyen Harry Clinton était durant cette période coordonnateur du dit parti. En conséquence, le premier ministre en nommé n'a jamais été comptable des deniers publics dont l'article 157, principe de la Constitution de 1987, amendé, ne s'applique pas à son cas. Conclusion générale. Étant donné que les rapports, étant donné que les pièces soumises à l'attention de la Commission par le premier ministre nommé se révèlent conformes au regard de la loi et de la Constitution haïtienne amendée, la Commission sénatoriale spéciale devant analyser les pièces du premier ministre nommé recommande à l'Assemblée des sénateurs d'habiliter le premier ministre nommé à présenter l'énoncé de sa déclaration de politique générale faite au Sénat de la République le 7 septembre 2018. Suivent les signatures: sénateur Honoré du président, sénateur Wilfried Gélin, vice-président, sénateur Jedon Lima Etienne, secrétaire rapporteur, sénateur Jean-Renel Sénatus, membre, sénateur Pierre-François Sildor, membre, sénateur Calmira Cantave, membre. Qu'il plaise à l'honorable sénatrice Luma Etienne de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport à l'Assemblée. Merci. Alors, pour le premier rapport, président, qu'il vous plaise de bien vouloir recevoir le premier rapport en défaut. Merci, Monsieur le Président. Un moment. Le bureau vous en donne acte, président, co-président de commission. Sénateur Dieudonne, vous avez la parole pour la deuxième partie du rapport. Merci, Monsieur le Président, membres du bureau, collègues sénateurs, Monsieur le Premier ministre nommé, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les cadres de la fonction publique, mes chers amis de la presse. Tout en remerciant le Président, au nom de lui, de m'avoir accordé la parole pour présenter le rapport de la commission spéciale chargée de vérifier les pièces déposées par les membres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre nommé M. Jean-Henri Seyant. Je prends plaisir à vous donner lecture de ce dit rapport. Conformément aux articles 137 de la Constitution de 1987 amendé par arrêté présidentiel en date du 5 août 2018, le citoyen Jean-Henri Seyant est nommé Premier ministre. Pour répondre aux vœux de la Constitution qui exige le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre par les deux chambres du pouvoir législatif, les membres du cabinet ministériel ont déposé au Sénat de la République les pièces répondant aux prescrits de l'article 172-1 de la Constitution de 1987 amendée. Le bureau du Sénat a formé une commission spéciale chargée d'analyser les pièces si indiquées. Elle est ainsi formée, la commission, des honorables sénateurs au nom de lui, Wilfried Gélin, Karl Murat Cantave, Pierre-François Sildor,
Jean-Renel Senatus et votre serviteur Dieudonné Humain-Étienne. Afin de faciliter le travail de la commission sénatoriale spéciale, il a été formé deux sous-commissions chargées, d'une part, de vérifier la nationalité et la qualité d'ordonnateur ou de comptable de deniers publics des nouveaux membres du cabinet ministériel. De l'autre, de vérifier la situation fiscale, l'enregistrement des actes de naissance aux archives nationales d'Haïti et le statut de propriétaire des nouveaux membres du cabinet ministériel. Quelle a été la méthodologie de travail de la commission? La méthodologie de travail de la commission a suivi trois étapes. 1. Correspondance adressée aux différentes institutions concernées par les points à vérifier au regard de l'article 172-1 de la Constitution de 1987 amendée. 2. Collecte d'informations auprès des dites institutions. 3. Traitement et analyse des informations collectées. En ce qui a trait au travail de la sous-commission chargée d'étudier les pièces relatives à la nationalité et des charges. Sur la nationalité, sur la base des pièces fournies par les ministres et secrétaires d'État, lesquelles ont été certifiées par la Direction générale de l'immigration et de l'émigration, la commission admet pour vrai, sauf avis contraire, la nationalité haïtienne de tous les ministres et secrétaires d'État, à l'exception du sieur Richard Osner, pour qui le certificat de nationalité a révélé un passeport haïtien et un passeport américain. Tous détiennent leur code d'identification nationale, SIN, leur matricule fiscale, NIF, leur acte de naissance extrait des archives, leur déclaration définitive d'impôt et leur titre de propriété. Tous les ministres et secrétaires d'État ont soumis leur acte de naissance extrait des archives et il en ressort qu'ils sont âgés de plus de 30 ans. Les secrétaires d'État ont obtenu de la DCPJ un casier judiciaire qui fait état de la jouissance de leurs droits civils et politiques, ainsi qu'ils n'ont pas été condamnés à une peine afflictive ou infamante. Sur la décharge, les ministres et secrétaires d'État reconduits ou promus sont réputés ordonnateurs pour le demeurer jusqu'à la fin de leur fonction. Alors seulement, ils auront besoin de la décharge qui aura sanctionné leur gestion antérieure. S'agissant des nouveaux ministres et secrétaires d'État, une requête a été adressée à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif afin de vérifier que les ministres et secrétaires d'État nommés par le dit arrêté ont reçu des charges de leur gestion au cas où il aurait été ordonnateur ou comptable des deniers publics. La Cour supérieure des comptes et des contentieux et du contentieux administratif, en réponse à une requête de la Commission, a adressé au Sénat un document intitulé « Rapport de mission relatif aux membres du nouveau gouvernement », lequel indique en substance que les différentes personnalités concernées, en l'occurrence les sieurs et dames Ronel Gilles, Marie-Christine Stephenson, Marnata Irène Ternier, Marie-Élise Brisson-Gélin, Evelyne Saint-Ville et Edwin Scholl n'ont pas été ordonnateurs ni comptables de deniers publics sous réserve d'éventuels documents administratifs et financiers prouvant le contraire qui ne lui auraient pas été fournis.
En termes de conclusion partielle, le résultat des travaux d'enquête de la sous-commission a révélé que les documents de tous les ministres et secrétaires d'État sont conformes à l'alinéa 1 de l'article 172-1 de la Constitution de 1987 amendée en ce qui concerne la nationalité haïtienne. Quant à la décharge, l'institution responsable de l'audit de la gestion des ordonnateurs et comptables de deniers publics a affirmé dans un rapport de mission que les personnalités ci-dessus mentionnées n'ont été ni ordonnateurs ni comptables de deniers publics. En ce qui a trait à la sous-commission chargée d'analyser la situation fiscale, l'enregistrement des actes de naissance et statut de propriétaire des membres du cabinet. Sur la situation fiscale, les commissaires se sont rendus à la Direction générale des impôts, le directeur général de la dite institution, M. Miradé Morland, a fourni au commissaire les documents relatifs à la situation fiscale des ministres et secrétaires d'État nommés. La vérification de ces documents révèle que certains membres du cabinet ministériel ont obtenu un certificat de déclaration définitive d'impôt portant la mention crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'ils ont payé un surplus d'impôt à l'État par rapport à leurs revenus. Face à cette situation, la commission a sollicité l'explication des cadres de la DGI qui, après vérification complémentaire, ont constaté des irrégularités quant à leur déclaration définitive d'impôt. C'est pourquoi les ministres concernés ont été appelés par la DGI afin de venir fournir des explications supplémentaires. Celles-ci ont conduit au redressement de leur situation fiscale et à l'application d'une amende telle que prévue par la loi. Tout compte fait, après l'analyse des documents corrigés à partir des renseignements obtenus et des vérifications complémentaires effectuées par la DGI, la commission a conclu que les documents relatifs à leur situation fiscale ont été régularisés. Sur l'enregistrement des actes de naissance, le 7 septembre 2018, les commissaires se sont rendus au Bureau des archives nationales d'Haïti, situé à Delma 75. Les membres de la commission ont été accueillis par le directeur général de la dite institution, M. Wilfried Bertrand. Ce dernier a mis à la disposition de la commission les extraits des archives des différents ministres et secrétaires d'État nommés. Il en ressort que les 10 actes de naissance sont enregistrés aux archives nationales et que leurs détenteurs sont tous âgés de 30 ans accomplis. En conséquence, ils répondent à l'alinéa 2 de l'article 172-1 de la Constitution de 1987 amendée à faire copie des extraits des archives des intéressés en annexe. Sur le statut de propriétaire, les commissaires se sont rendus à la direction générale du domaine, où sont enregistrés les titres de propriété. Il était question pour les commissaires de vérifier l'authenticité des titres de propriété déposés par les membres du cabinet ministériel. Il ressort que tous sont propriétaires d'un immeuble parce que les pièces vérifiées sont révélées authentiques. Comme conclusion partielle,
Le résultat des travaux d'enquête de la sous-commission a révélé que certains ministres, au moment de leur nomination, n'étaient pas en règle avec le fisc. L'intervention ponctuelle de la DGI a amené le redressement approprié et l'application de l'amende qui, en somme, constitue les sanctions prévues par la loi. Quant au titre de propriété et aux actes de naissance extraits des archives, ils se sont tous révélés authentiques pour être conformes. De tout quoi, il résulte que, pour ce qui concerne la situation fiscale, l'enregistrement des actes de naissance et le statut de propriétaire, les membres du cabinet ministériel ont satisfait les exigences constitutionnelles. Comme conclusion générale et recommandation, les pièces analysées, les documents vérifiés, ramènent la commission à confirmer que les ministres et secrétaires d'État qui forment le cabinet ministériel ont répondu aux exigences de la loi et de la Constitution de 1987 amendée. Précisément, ils ont satisfait aux prescrits de l'article 172-1 de cette dernière, de telle manière qu'ils sont tous de nationalité haïtienne et n'en détiennent aucune autre. Qu'ils ont administré la preuve qu'ils sont fiscalement domiciliés en Haïti ou ils possèdent des biens immobiliers. Qu'ils sont âgés de 30 ans accomplis. Qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques sans avoir été condamnés à une peine afflictive et infamante. Et enfin, ne sont pas assujettis à la formalité de la décharge. Fort de ce qui précède, la commission recommande à l'Assemblée d'admettre que les ministres et secrétaires d'État ont qualifié pour former ce nouveau gouvernement à l'exception du sieur Richard Osner qui détient à la fois un passeport haïtien et un passeport américain. Accueillir favorablement le présent rapport et autoriser le premier ministre nommé à faire la déclaration de sa politique générale. Pour signature, les honorables sénateurs Louis Onodieu, président, Wilfried Gélin, vice-président, Carl Murat-Cantave, membre, Pierre-François Sildon, membre, Jean-Renel Sénatus, membre, et votre serviteur, Dieudonne Lumaïtienne, secrétaire rapporteur. Ainsi, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir me donner acte du dépôt du rapport de la commission spéciale chargée d'analyser les pièces des ministres et secrétaires d'État du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre nommé Monsieur Jean-Henri Séan. Le bureau vous en donne acte, collègue Dieudonne. Asseyez-vous. Comme il est stipulé dans les conclusions et recommandations du rapport de la commission chargée d'analyser les dossiers du Premier ministre, des ministres et secrétaires d'État, il est dit que une minute, s'il vous plaît. Conclusion partielle.
Merci. Que les dossiers des concernés sont donc conformes à la loi et à la constitution amendée en vigueur et la commission recommande donc à l'Assemblée des sénateurs d'habiliter ou d'autoriser le Premier ministre nommé à présenter l'énoncé de sa déclaration de politique générale. À cette phase des débats, Bureau offrit la possibilité à ensemble collègues sénateurs possibilité pour yo réagir. Il y a d'abord le sénateur Bélizer et ensuite le sénateur Francenet et le sénateur Latortue, sénateur Cadeau. Et je m'a précisé que rapport là capable de faire objet débat, mais le rapport en soi ne sera pas sanctionné par l'Assemblée des sénateurs. Président. Président. Petite non, motion. D'abord le sénateur Bélizer. Une motion, oui, nous allons faire débat. Nous allons faire l'ensemble avec vous, mais nous allons faire. Et vous nous faites au fond seul. On seul peut faire. Nous n'avons pas faire ça. Nous allons faire une motion sous président. Attendez votre tour. Sénateur Bélizer. Sénateur Bélizer passé. Sénateur Francenet. Ah, un problème micro. Ah, très bien. Non, il faut que mette l'autre. Les techniciens, s'il vous plaît. Pour microphone, yo. Les techniciens, s'il vous plaît. Merci, président. C'est par intermittence, président. Ok, un micro baladeur, s'il vous plaît. Oui, merci, président. Oh, ça va, merci. Moi salue président, moi salue ma bureau. Yo. Hier, dans un accord, nous avons avec GSCP, nous avons exigé que, en telle séance, nous avons et faire en créole pour que toute population soit capable d'entendre exactement ça. L'a dit. Oh, en tout premier lieu, nous féliciter le président de la commission et ensemble commissaire pour la qualité du travail que vous produit là et vous produit un rapport que nous sommes capables de dire qui est impeccable. Okay. Président, son très bel rapport et nous gardons une analyse des dossiers chaque grain ministre.
each other's family. Each other's family.